forever. Let's do King Julian style. Salutations les lémures, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 8e épisode sur Green Project Mobile. Alors là, j'ai continué à arroser un petit peu mes plantations. J'ai une récolte qui va bientôt arriver. Je suis un peu en lutte et en galère. Je crois que j'ai pas le choix, va falloir bouffer le poulet. En plus de ça, je suis pas sûr d'avoir de quoi me faire. Ok, là, c'est des herbes fraîches qu'on ramasse. Ah, il y a un petit carré qui est tout fait. Je pourrais faire pousser quelque chose ici. C'est bien marrant. Donc là, on peut voir qu'on peut récupérer des herbes fraîches. Mais malheureusement, je suis pas sûr qu'on puisse les consommer. Moi, j'ai pas le choix. Va falloir que je me fasse de quoi manger. Je crois qu'on va devoir se faire le poulet, malheureusement. Le côté végétarien, là, pour le moment, pour le coup, c'est un peu. Bah, c'est un peu le bad, j'ai envie de dire. Ah, je sais pas si j'aurai des herbes sèches encore ici. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, on va devoir le manger avant d'aller au dodo. Parce que sinon, je vais finir par mourir. Ça, je vais l'enlever. Je sais pas ce qu'il faut d'autre pour faire le poulet rôti. Il faut de l'eau. Vas-y, tiens, fais-moi ton poulet là. J'ai pas le choix, c'est à mon grand regret que je dois le manger. Mais là, c'est chaud, je vais mourir. J'ai déjà remangé une tablette de chocolat pour faire passer le temps. Et du moins survivre. Et j'ai rien trouvé de plus. J'ai pas gaulé de champi ou autre. Donc c'est un peu. On est un peu dans le bad. Ouais, là, il me faut mon couteau. Je vais aller chercher mon couteau. D'ailleurs, le couteau, je vais le laisser au coin cuisine. Hein. Il est où mon couteau? Non. Me dis pas que j'aurais perdu mon couteau. Il est rangé là-dedans? Non. Il est pas là. Ah bah il est là. Ah voilà, je fais ça. Hop, c'est bon. Ah ouais, c'est pour ça qu'il est ici mon couteau, je trouvais toi, je sais que t'as besoin de manger et tout, là, regarde, on a fait du rat, là, c'est bientôt prêt. En plus, je suis fatigué. Je suis fatigué de chez fatigué, là, j'ai encore besoin d'arroser, je crois que je passe mon temps depuis tout à l'heure à arroser. Donc, cette vidéo fait directement suite à celle, nous sommes partis en exploration en ville. Donc voilà, et je me dis quoi, ouais, là je suis un peu en lutte, parce que j'ai bientôt plus de flotte. D'ailleurs c'est le cas, j'ai plus de flotte à l'extérieur, et je dois taper celle qu'il y a ici. Et pour pas être dans le caca, je me dis qu'il va falloir refaire un collecteur d'eau. Et vu que je voulais refaire une machine pour les graines, eh bien écoutez, on va se faire ça, hein. Je vais me refaire un deuxième collecteur d'eau. Je vais le poser de ce côté. Comme ça, j'en aurai un de chaque. Et puis, on va se refaire une petite machine comme ça, là, pour récupérer des graines plus facilement. Là, je vais laisser ces deux-là ici. Et je vais en plaquer dans le coin. Je vais en remettre là. Malheureusement, je peux pas les plaquer contre le mur. C'est un peu chiant, mais bon. Donc on va voir ça. Ok, mon poulet, il est prêt. J'ai pas le choix. 99, ouais, bon bah je vais dépasser. Vas-y, je vais attendre d'être à 1 pour le manger. Voilà. Et là, je suis pas ravi de manger du rat, mais bon, si j'ai pas le choix aussi, on le fera. Ouais, je vais attendre d'être bien naze. Je vais voir s'il n'y a pas un truc encore à arroser ici. Non, ça a pas l'air d'être le cas. Donc on va sortir nos planches et compagnie. Et puis on va se faire un collecteur d'eau. Je suppose qu'il va me falloir des clous. Là, je commence à plus en avoir des masses aussi. Ce serait pas mal qu'on... Je crois qu'on peut en faire des clous. Hein. Mais pareil, il me faut... on l'allume, ça va. Mais il faut des bouts de fer. Et je pense qu'il va falloir aller farmer. Je peux même pas aller dans la grotte parce que je vois rien du tout. On va essayer de taper des bouts de caillasse pour voir ce que ça donne. Si ça donne que du silex et de la pierrasse ou si on a le droit à autre chose. Je veux bien que tu me files. Alors déjà, c'est pas ici. C'est dans l'agriculture.
Fais-moi un récupérateur d'eau. Il faut des petites bûchettes. Enfin, des... Voilà, il faut ça en plus. Je me tâte même à en faire deux, hein. C'est pas là, c'est pas là. Agriculture, s'il te plaît. Fais un effort. Qu'est-ce qui me manque? Faut que j'enlève la scie. Et que je mette les planches. Et que je mette les clous. Voilà, on est bon. Fais-moi ça. Pourquoi tu te sens pas bien? Ok, tiens, mange-le. Là, voilà, c'est bon. Ok, t'es trop fatigué. Moi, je vais aller lui faire faire dodo. Et puis, on va se faire ça. Non, rose pas là. Ouais, dors. Ok, j'ai hyper méga soif. Vas-y, bois un coup. Oui, calme ta joie. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais équiper ma gourde. Hop, je vais la faire chauffer. Je vais la faire bouillir surtout. Vas-y, reviens par là. Voilà, merci bien. Mets-toi ici. Ah, faut vraiment qu'on puisse faire bouillir de l'eau et je vais voir après si je peux pas faire bouillir ça là. Comme ça, je serai tranquille. Ouais, je vais retourner dormir. Comme ça, on sera reposé au maximum. Et puis, on va se barrer. Il va falloir essayer de retrouver du thym là parce que c'est chaud, chaud, chaud. Ah, c'est une blague. J'ai fait ma gourde. Faut déjà que je la picole. Vas-y, bois-moi ça. Alors, est-ce que toi, tu peux me faire chauffer le bidon? Je sais pas si ça va prendre plus de temps. Mais au moins, ce sera fait. Ah ouais, là, je vais être à court de flotte. C'est chaud, chaud, chaud. J'aimerais remplir une petite gourde. Ouais, on va être dans le caca. Ouais. Faut vraiment. Je vais aller le poser direct là, normalement. Ah bah non, je crois que j'ai même pas pu le terminer. J'ai peut-être pas pu le terminer. Ouais, ça a même pas fabriqué surtout. Ouais, faut absolument que j'en ai un deuxième. Voire un troisième après plus tard. Mais là, ça commence à être tendu. Agriculture. Ok, il me faut une grille, un tissu. Des grilles, on en a récupéré pas mal, donc ça va pas poser de problème. Ouais, comme ça, quand j'en ai un en activité, je peux balancer l'autre derrière. Vas-y, prends ça, sois pas stupide, tiens, hop. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Remets-moi au semencier, s'il te plaît, merci. Ok, faut que je vire le marteau. Ce qui est marrant, c'est que là, il n'y a pas besoin d'item pour construire, quoi. Pas besoin de marteau, rien du tout. Pourtant, il l'utilise, là. Hein. Ok, ça, c'est fait. Je vais ranger tout ce bazar, maintenant. Derrière les clous, ça va à côté. Moi, je vais finir par en manquer. Il va falloir en fabriquer, mais ça va être assez compliqué. Et puis là, va falloir que j'écoule les. Je sais pas si je pourrais me faire un sac déjà. Bricolage. Ouais, il manque 4 tissus. Enfin, 4 ficelles. Faut que j'économise mes ficelles et mes tissus là. Pas le choix. Ok, donc déjà, ça. Je vais le prendre et le foutre ici. Je vais ranger tout ce dont j'ai pas besoin. Ah non, je vais re-avoir faim. Ah, c'est pas possible. C'est un cercle vicieux. J'espère que mon maïs n'était pas crevé dehors. Faut que j'aille voir. Qu'est-ce que j'avais d'autre à ranger le marteau? Ouais, normalement, là, on est bon. Il est 9h du matin, on est bien. Dites-moi que j'ai pas perdu de maïs. Non, tout va bien. Je peux même en récolter. Ah, ça m'en fait 3. Toi, je te prends. Toi aussi. Et là, je peux rien récolter. Ouais, un truc à grignoter, ça arrive. On va faire une assiette de maïs. Viens par là. Si tu pouvais bouger ton message, ça m'arrangerait.
Ah, j'ai de quoi faire une assiette de maïs. Allez, c'est parti. C'est dommage qu'on puisse pas combiner plusieurs ingrédients pour faire des recettes un peu plus poussées. Ce serait pas mal. Là, je suis obligé de cuisiner. Il n'y a pas assez de bois. Je vais. Bon, il va falloir que j'aille récolter du bois. On va aller miner et farmer du bois là. Pour voir un petit peu. Parce que là, ça commence à être un peu tendu. On va repartir en exploration. Puis je vais taper tous les arbres. Bon, alors déjà, au moins, j'ai de l'eau propre sur moi. Ouais, je vais l'embarquer avec moi. Comme ça, je serai tranquille. Ma gourde, je vais la poser ici. Ça va gentiment cuire. Je vais d'ailleurs récupérer l'arrosoir. On va ranger tout ça là. Ça, je vais le foutre ici avec ça. Ça, je vais le foutre en numéro 3. Donc 4. Vas-y, trouve-moi une petite place là. Ah, j'aurais pas forcément le coller à ce qu'il faut que je débroussaille. Vas-y, 3 maintenant. Ah, voilà. Ok. Je vais le mettre là. Et là, on va passer en numéro 5. Et je vais me foutre un collecteur d'eau aussi ici. Alors comme ça on est bien. Ce serait bien que mon assiette sorte assez rapidement. Et puis tant qu'on a de l'énergie, on va partir farmer. Je vais déposer mon rat et ça là. Ok, il faut attendre encore un petit peu. Ce que je me dis que je peux faire, c'est aussi déposer mon arrosoir ici. Ah, je vais avoir besoin de ma binette par contre. Ah non, faut que j'arrose. Je range mon arrosoir, mais faut que j'arrose. Super. Ah, faut que je le prenne, je ferme, j'ouvre. Je mets un raccourci. On va commencer par arroser. Ah, vivement que les prochaines récoltes arrivent là, parce que faudra pas que j'oublie de refaire des graines à chaque fois, parce que sinon je vais me retrouver coincé et sans maïs. Ok, là je peux en récupérer un. Non, tu veux pas ramasser s'il te plaît, merci. Ok, donc ça maintenant. Allez, hop, ah, il va falloir un temps pour tout. Et ça pousse bien. On vient de voir un petit maïs pousser au fond là. C'est parfait. Allez, on arrose, on arrose, on arrose. Voilà, parfait. Puis là, on va aller à la cueillette et au farm. Ok, alors toi, je suppose que tu as besoin d'eau aussi. Non, t'es déjà arrosé. Ok, moi j'espère que c'est bon parce que de toute façon j'ai plus d'eau. Et c'est là que ça va être la galère. Non, me range pas ça. Ouais, qui est con là? Vas-y, range l'arrosoir. Ouais, c'est vrai qu'il faut changer d'item pour pouvoir le ranger directement. Ok, là je commence à avoir la dalle par contre. J'espère que mon assiette elle est sortie. Parfait, merci bien. Donne. On va se manger ça. D'ailleurs, j'ai plus qu'un seul maïs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le balancer dans un semencier. Hein. Ah, j'ai balancé mon maïs dans un semencier. Comme ça, j'aurai re des graines. Voilà. Ok, donc là, ça va tenir. Je vais sauvegarder d'ailleurs. Ok, j'ai sauvegardé. Je vais prendre ma petite pioche. On va aller taper du bois par là-bas. Je sais pas d'ailleurs si je peux déglinguer le tonneau. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas récupérer le métal. Et c'est encore plus dommage que celui-ci ne se remplisse pas tout simplement de flotte. Attends, si tu me files que des caillasses, on va pas être copains là. Toi, je vais te laisser.
Non, dites-moi pas qu'il file que des caillasses. Cette blague. Il est gros comme ça là. Ouais, il me donne 3 pierres. C'est génial. C'est génial, c'est génial. J'ai envie de vous dire, c'est génial. Ah, est-ce que là, ce serait pas du thym? Ah, j'ai besoin de thym. Donnez-moi accès au thym, s'il vous plaît. Ah, j'ai récupéré des orties. Ah, est-ce qu'il y a moyen de balancer les orties dans le semencier pour récupérer des graines et en faire une petite culture? Cette pierre-là, je vais la dégager parce qu'elle va être chiante. Voilà. Place à la verdure. D'ailleurs, il manque pas grand-chose pour que le chemin soit débloqué. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je vienne foutre un arbre par ici pour pouvoir passer quoi. Et là, j'ai pas récupéré ce qu'il me fallait. Moi, il me faut du thym. Là, c'est mort. D'ailleurs, là aussi, il faudrait que j'en mette un. Ah, ça doit être de l'aloe. On va aller récolter. Ouais, parfait, c'est de l'aloe. Et là, dis-moi que c'est pas de l'ortie, mais que c'est du thym. Ah, nickel. Nickel, nickel, nickel. Ok, donc ça c'est fait. Je vais éviter de passer dans le gaz. Allez, c'est parti. Donnez-moi des ressources, s'il vous plaît. Alors, si je bois avec mon jerrycan. Ah non, je peux pas. Non, t'es sérieux? T'es sérieux? Tu files 500 d'un coup? Mais c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi. Autant boire dans la petite gourde, quoi. C'est juste pas possible. Il sert à rien, ton bidon, quoi. C'est de la merde. Putain, si tu bois d'une traite, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est n'importe quoi. Putain, le truc, tu viens de gâcher 500 litres d'eau alors que t'avais pas besoin de boire autant, quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y, tu m'as tout pris là, j'espère. Ah ouais, je conçois pas qu'on ait si flotté 500 litres d'eau. Alors qu'on n'avait pas. Je sais pas, non, tu bois des gorgées quoi. C'est. Faut vraiment qu'il fasse quelque chose avec ça parce que c'est pas normal. C'est n'importe quoi. Bref, passons. Je vais calmer mes nerfs ailleurs. Là, c'est le dégueulis, là, faudra essayer de le. Ah, je peux te tuer ou pas? Viens là, viens là. J'ai ma hache. Ah, t'es sérieux la saleté là? Est-ce qu'on a fait revenir des insectes? Parce qu'on a commencé à faire repousser. Ouais, je peux peut-être passer là. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Je l'ai encore en travers de la gorge là, le 500. Ah yes, scarabée mort, nickel. Il y a une belle flaque de sang là, mais ouais, d'ailleurs on va faire un petit tour en haut là. Et puis je vais me faire une assiette de champi après, mais je suis dégoûté quoi. J'aurais jamais dû siffloter, je sais même pas si j'aurais pu transférer l'eau. Ça aussi il faut le faire. Hein. Il y a des gros soucis techniques. Il faudrait que j'y mette un post, je sais pas où, peut-être sur Google Play, tiens. J'essaierai d'aller sur Google Play pour l'avertir de son machin là, parce que c'est juste pas possible. Allez, file-moi les champignons là. Là, il y en a d'autres. Ok, ça m'en a filé qu'un. Ah, je vais virer l'herbe sèche là. Histoire que ce soit un peu plus joli. Toi aussi d'ailleurs. Voilà. Et là non plus, ouais, il manque pas grand chose quoi. Faudrait refaire pousser un truc. Quitte à passer derrière au-dessus. Pour libérer la zone. Oh, premier champi bleu. Champignon mutagène. Je crois que c'est pour les aliens.
Enfin, pas les aliens, mais pour nourrir des trucs pas catholiques. Ou pas normaux. Je sais pas si je peux récupérer la petite fleur. C'est du pissenlit. Nickel. Alors par contre, le deuxième pissenlit là-bas, je peux pas le prendre. Ok, c'est cool. Je vais voir si je peux pas, avec tout ça, récupérer des graines après, là. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Par contre, la pirasse, c'est un peu à chier. Faut qu'on trouve un autre spot à aller farmer, là, parce que... là, on a fait tout le tour. Ah, je crois que j'oublie un truc. Parce qu'on n'est pas descendu tout en bas. Ah, moi, j'y sois déjà, là. Ah ouais, si, j'y suis déjà, c'est là. Ok, bon, bah, je peux pas aller plus bas. Ah, peut-être que là, il y aurait un chemin entre les... Ouais, là, il y a un chemin. On est passé sur la route. Ouais. On est passé sur la route. Wouhou! Wouhou! Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à voir par là? Tant que je suis là, je vais zioter, hein. Vas-y, ouvre. Ok, tu me files que dalle. Super. Rien du tout. Un rat mort. Je suis content. Est-ce que le scarabée, on peut le manger comme ça? Plus 20. Ok, bah on va voir si on peut pas le cuisiner plutôt. Parce que je vous avoue, je suis pas chaud motivé pour le manger directement comme ça. Il n'y a pas une caillasse qui change là un petit peu pour filer du silex ou quoi là? Alors, je sais pas du tout où on allait. Je crois qu'en plus le labyrinthe, là on avait vu le monsieur dans sa tente là qui était mort. C'était peut-être pour aller à... On a un autre joli arbre de l'autre côté. C'était pour aller au cimetière. Donc voilà, bah là on fait tout le tour. Je suis en train de remonter, je sais pas où. On va retourner vers chez Batman. Je crois que ce secteur-là, on l'avait pas. Ah, du sable. Ouais, beaucoup de sable. Du sable à perte de vue. Allez, file-moi une petite graine, une petite plante, un truc comme ça. Là, il y a un mur. Est-ce qu'il y aura un truc de planqué derrière? Ouais, il y a des bâtiments. Bah écoutez, on ira une autre fois. Hein. On ira une autre fois dans ce secteur. On va s'arrêter là. Je vais pas dépasser la frontière, comme on pourrait dire. Là, je suis en train de retourner sur la route. Ouais, merci de te pousser. Ah, toi, je vais te fouiller. Donne-moi un truc à manger. Ok, il veut pas. Ah, ce serait quoi ça? Ah non, ça veut rien faire. Je sais pas si je peux casser le mur en pierre. Non. Bon, bah écoutez, on va se rentrer. On va se faire un petit thé et compagnie. Puis on va voir si on peut pas récupérer des trucs avec les graines. Enfin non, si on peut pas récupérer des graines avec les orties ou toute autre chose organique. Alors, faut que je retrouve le chemin pour aller plus vite par là. Ah, bah, c'est juste ici, parfait. Ah, par contre, je vais passer comme ça. Hop, on va éviter de mettre les pieds où il faut pas. Allez, vite, 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 on va avoir faim en plus encore. Ah, ok, nous, notre potager, il est par là. Là, il n'y a pas besoin que ce soit arrosé, donc tant mieux. Ce serait bien qu'il se remette à flotter, parce que sinon, on va être dans le caca. Là, j'ai mes petites graines. Ok, je suis plein, c'est ça? Ok, je suis plein. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en 1. Ça en 2. On va tester avec le champi, on va voir. Donc ça, c'est fait. Viens là d'ailleurs, comme ça, c'est fait. Je vais essayer avec tous les champis. Ceux-là, je crois que ça passe pas d'ailleurs. Il y a les orties à tester. Ok, donc si je prends 5.
Non, ça veut pas aller dans le semencier. J'ai pas assez de place dans mon inventaire. Tu te fous de moi ou quoi? Non, mais c'est une fucking blague, quoi. J'ai pas assez de place dans mon inventaire. Ah, t'en as de la place dans ton inventaire? Vas-y, remets-moi ça en... Putain, c'est pas possible, ça. Voilà, 5. Allez, 5. Tu peux mettre dedans 4, 3, 2, 1. Si, ok, si je fais ça, tout va être déposé par terre. Ah, je peux même pas. Ah, si. Ok, bon, ben voilà, on peut rien mettre. Je sais pas si toi je t'ai essayé, j'ai essayé. Ouais, non, on peut pas les foutre dedans et l'ortie. Non plus. Je peux pas faire pousser d'ortie. Donc va falloir aller à la cueillette à chaque fois. Ça va être génial. Toi le bidon, t'es pourri, je te laisse là. Peut contenir jusqu'à 500 unités d'eau, pratique. À laisser en cuisine. Ouais, mais c'est... Ouais, ok. C'est de l'eau que tu... Oui, c'est vrai. C'est pratique pour la cuisine, mais si tu veux aller te promener et machin, c'est débile. Donc effectivement, ouais, je pense que je foutrais ça en cuisine maintenant et j'aurais plus besoin de me saouler à mettre ma gourde ou l'arrosoir. Donc ouais, pour le moment ça va être rangé là parce que ça m'a bien gonflé. Je vais ranger mon rat ici. Ouais, tais-toi, tu me saoules. Je vais ranger mon petit scarabée, je verrai plus tard ce que je peux faire avec. Je vais mettre ça là. Ça, je vais le prendre. Ça, je vais le ranger. Vu que t'as pas l'intelligence de m'empiler ça directement, je vais le faire à ta place. Non, 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 mais t'embête pas, c'est pas grave. Je vais le faire, je vais le faire. Te prends pas la tête. Et maintenant, à côté, merci bien, s'il te plaît, dépose-moi ma petite plante. Ok, sois pas con, s'il te plaît. Tu l'as pas dans les mains. Non, mais je l'ai pas équipé là. Si. Ok, j'ai compris. Deux. Voilà, merci bien. Rends-moi ma plante. Voilà, toi je te range, toi je te range. Et puis il faudrait que j'aille chercher ta copine. Et puis bah là on va se faire un plat de... Je vais me faire un thé d'abord. Ok, dégage toi. Je vais faire bouillir mon eau. Ah ouais, c'est chaud, 240 quoi. Ouais, faut que je les garde pour arroser mes plantes, j'ai pas le choix. J'ai ma petite bouteille d'eau là, sinon pour... Je pense que je vais pas la perdre. Au pire, je vais la foutre en cuisine. Et puis quand elle sera vide, je la re-remplirai. Voilà, je vais faire la cuisine avec ça. Ouais, il y a un autre truc en préparation, merci. Bah, me propose pas de cuisiner dans ce cas-là. Est-ce que je peux ranger des trucs ici? Oui. Ah, parfait. Faut que j'aiguise ma faucille. Ah non, c'est pas ça qu'il me faut. Mon col, tant pis, je vais le prendre. Voilà, comme ça me fera un gain de place. Je sais pas si on en aura besoin pour autre chose, c'est un peu la question. Je pense qu'en attendant, je vais utiliser ça. Ouais, je vais utiliser ça, je vais les garder pour si on a besoin pour d'autres affaires. Ok, ça je peux le remettre ici. Parfait, merci bien. Les pierres, vous allez aller ici d'ailleurs. Merci. On va faire ça comme ça. Hop. Putain, l'intelligence des items qui s'empilent pas, quoi. Ah, je vous jure, c'est le bazar aussi dans mon sac. Ok. Alors, quand ma pioche, elle est là, dans les mains, ouais, elle est plus dans le sac. Ok, super. Vas-y, donne. Ok, donc le petit thé. Allez, c'est parti. Et après, ben, je me ferai les champis. Et puis ça va être le bad. De toute façon, j'ai pas le choix. Faut que je fasse ça en premier. Ok, là, ça a besoin d'être arrosé. Dis-moi que j'ai encore de l'eau dans mon arrosoir. Eh bien non, forcément. Forcément, je n'ai plus assez d'eau. Va falloir que j'aille taper les réserves à l'intérieur. Et je suis même pas sûr qu'on puisse le re-remplir. C'est ça le problème.
falloir aller choper de l'eau en ville. Et je vais aller au lavabo et je vais remplir mon bidon, hein. Il n'y a pas le choix. Là, faut que j'arrive à en arroser le maximum. Arrête de me gonfler avec ta fatigue, s'il te plaît, là. Ok, puis là, je suis en... Ouais, je suis dans le caca, j'ai plus d'eau. Ah bah, tu sais quoi, je vais prendre mon arrosoir avec moi, surtout. Bah, j'y vais remplir tout ce que je peux. Et ce qui est chiant, c'est qu'on puisse pas transférer l'eau d'un item à l'autre. Ça aussi, faut qu'il fasse quelque chose là-dessus, parce que c'est pas possible. Donc les graines, pour le moment, je vais éviter d'en faire repousser, ça sert à rien. Je vais me mettre dans le caca. Je vais ranger ça là. Ok, j'ai monté. Alors avant d'aller le chercher, je vais directement... Il n'y a pas assez de bois. Tu commences à me gonfler avec le bois là, c'est pas possible. Ok, je vais tout prendre, comme ça c'est réglé. Ok, fais-moi une assiette. Tu vas même m'en faire plusieurs. Ça, je vais le prendre. J'en ai besoin maintenant. En plus, j'ai soif, donc ça tombe bien. Par contre, au niveau toxicité, ça commence à être tendu, tendu, tendu. Et je vais prendre le jerrycan et on va faire une opération water. Je vais d'abord remplir mon arrosoir. Et quand celui-ci sera rempli, eh bien, on ira... Ah putain, ça va être tendu là, ça va être long. On ira justement... Ah non, je peux pas reprendre de toxicité, quoi. Ça aussi, c'est chiant, là, quand on est en train de fouiller. On clique là. Ah ouais, moins de cliquer dans le vide. Ok. Ah, j'ai pas vu si le scarabée, je pouvais le cuisiner avec quelque chose. Est-ce qu'on peut cuisiner du scarabée? Y a pas scarabée? Y a brochette d'abeille. Brochette de verre. Je sais pas si... Ah ouais, brochette de verre. Faut 5 verres pour faire une brochette. Avec un verre. J'espère que la brochette de verre tape tous les verres qui sont posés dessus et qui donnent au moins 5 chacun. Une brochette de scarabée. Il me faut 5 scarabées. Ah bah dis donc, je suis loin du compte, hein. Soupe de citrouille. Ouais, ça, j'ai vu qu'il avait rajouté soupe de citrouille et soupe d'oignon. Il n'y a plus qu'à essayer de trouver des citrouilles et des oignons. Ah franchement, j'espère que les citrouilles et les oignons, on peut les faire... On peut les cultiver, hein, parce que s'il faut juste les looter, ça va chier des bulles. Bon, ça mijote doucement. Ah ouais, j'ai 13 points de vie. Faut que je grignote un truc. J'ai pas le choix. Ah, faut que je grignote quoi? J'ai pas envie de grignoter mes fruits au sirop. Je veux pas grignoter mon chocolat. Je veux pas mourir. J'ai pas du maïs qui vient de pousser là. Vite, vite, donnez-moi du maïs. En plus, j'en ai plein à arroser. Ah, du maïs, vite, 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 vite. Vas-y, donne, donne, donne. Mange, mange, consomme. Voilà, ça nous laisse un sursis. Allez, donne. Là, je vais pas en faire repousser parce que j'ai pas d'eau. Et par contre, ouais. Allez. Allez, vite, dépêche, c'est bientôt cuit. J'ai quoi là? J'en ai 9. Je peux me faire une assiette. Allez, c'est parti. Je veux une assiette de maïs avec. Allez. Allez, Melton Bad. Allez. Allez, fais pas chier, dépêche. Là, je peux me faire une autre assiette de champi derrière. Mais je crois que ça nourrit mieux le. Ça nourrit mieux le maïs. Non, mais me dis pas qu'il y a encore quelque chose. Le truc, il est fini là. Non, m'en fous de ça. Donne-moi mon assiette de champi. Ouais, ça rend 15 et 10, quoi. Super. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre que le reste du maïs arrive. Je vais éviter de faire le moindre effort. Par contre, je vais le perdre celui-là, là. Si je peux pas l'arroser, c'est chaud, quoi. Allez, moi, j'ai pas soif. Si je peux en sauver au moins un. Je peux même pas vider ma bouteille.
Je peux même pas vider ma bouteille pour arroser les plantes, quoi. C'est n'importe quoi. Bref, faut que je me mène d'aller chercher. Là, je pourrais pas. Je pourrais pas tenir. Si je vais en ville maintenant pour. C'est vrai que j'ai du stock de graines là. Putain, tu veux pas flotter, s'il te plaît, là. Ça fait genre 2 jours qu'il a pas plu. Ça fait trop longtemps. Ouais, je sais que t'as faim, bonhomme, mais là, tu vas pas me gonfler non plus. Je sais pas si après le pissenlit et trucs comme ça, on peut le bouffer tel quel. Mais bon, ça va être un peu saoulant. Surtout si ça rank 2, 3. Bon, ça en vaut pas la peine, quoi. C'est pas possible. Celui-là, il va bientôt pousser aussi, mais bon. Allez, mène-toi le cul là. Bon, on se retrouve dès que c'est prêt. Ok, l'assiette elle est sortie. Enfin, ça file 50. C'est génial. C'est nickel. Je vais ranger ça. Je crois que j'ai plus assez d'eau. On va faire ça comme ça. Ah ouais, ils sont sérieux quoi. Bah, je vais garder mes 10 de flotte sur moi. Et puis voilà, sauf que là, ça me bouffe trop de place. Au moins, en rentrant, j'aurai une assiette de champi. Ah ouais, voilà. Je peux pas, genre, transverser mon eau. Équipé, ouais, ok. Remplissage. Passer d'un item à l'autre, là, non, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas. C'est n'importe quoi. Bon, vas-y, faut que j'aille chercher de l'eau pour arroser le maïs, sinon il va finir par mourir. Ok, on est arrivé. J'espère que je vais pouvoir passer en bas pour aller au lavabo. Ah merde, c'est vrai que là, il y a la grille. Allez, vite, opération water, là. Vite, vite, vite. Il faut qu'on descende aux toilettes. Laisse-moi passer, mène-toi. Allez. C'est chaud. Allez, prends-moi tout ça, là. Non mais on s'en fout des squelettes là, ramasse l'eau. Ouais, l'eau des toilettes aussi, hein. Voilà, il n'y a pas moyen. Non, passe-moi l'eau des toilettes. Ok, ça c'est rempli. Pas le choix. Quand il faut, il faut. Là, les vins, je les prends aussi. Ça avec. Je crois qu'on a fait le tour. Il y a la machine là. Et je vois pas comment il veut la ramener. Il y avait les notes là. Je vais les prendre. Une recette. Notice extracteur de minerai. Ah, peut-être qu'il faut balancer des pierres. Que peut bien contenir? Lire. Ah, si tu pouvais me laisser le message apparaître, ce serait bien. Notice d'utilisation, mettre la roche qui contient le minerai voulu, puis attendre l'extraction. Exemple, fer, ferrite, terre argileuse, argile. Ok, donc au final, il faut trouver du fer pour avoir de la ferrite. Donc ok, bon bah je suis dans le caca, quoi. Comme ça, c'est réglé. Je peux pas mettre de bout de caillou. Et l'autre note, c'était quoi d'ailleurs? Notice extracteur de minerai. Recette extra. Apprendre. Yes. Ok, donc je peux fabriquer ça chez moi maintenant. D'ailleurs, la petite pierre, je t'ai vu là. Ah bah là, il y a de la ferrite. Ok. Ok, tout ça, c'est fait. Je sais pas si le plan, ouais, il a disparu. Ça, c'est la notice. Ok, si je mets du fer, je récupère de la ferrite. Ok. Ok, tout ça, je prends là. Ah merde, je crois que la nuit, elle va tomber. Faut repartir. Parce que je vais être dans le caca là. Je vais juste fouiller ça. Pour rien. Je vais essayer de fouiller l'autre. Et on va rentrer. Ah ouais, j'ai pas le choix, la nuit va tomber. Je veux bien fouiller le micro-ondes avant.
S'il y a un petit truc à manger, ne me dis pas que je peux pas passer, c'est quand même dingue. Enfin, le micro-ondes, il est vide. Ok, bon bah je vais essayer de rentrer, hein. Ah ouais, c'est chaud, vite, 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 te bloque pas, te bloque pas. Parce que là, c'est le bad. C'est le bad, c'est le bad, c'est le bad. Surtout si je mets les pieds dans le gaz. Non, pas l'arbre, pas l'arbre. Non, je suis bloqué avec les arbres là. Ah, je vais plus rien voir. Ah, c'est chaud. On va devoir passer la nuit dehors. Ah, le bad. Et je sais pas où je suis. J'arrive pas à voir. Je suis pas sûr qu'il y ait moyen de tricher, de jouer avec les gamins là, mais là j'ai les squelettes qui apparaissent. Mais j'arrive pas à me. Ah, je crois que je suis sorti du bâtiment là. Ah non, je suis toujours coincé dans le mur. Ok, là il y a le bureau. Ah, j'ai la tête collée à l'écran pour essayer de voir quelque chose. Ok, là il y a l'armoire. Je sais pas si le passage. Il est à côté. Si, ça y est, je suis sorti. Alors maintenant, faut faire attention aux petites bulles. Faudrait que je trouve le. Là, je crois qu'il y a un chemin de terre. Ah, c'est chaud. Faut que je trouve le. Le puits. Mais je vois pas des masses, quoi. Ah ouais, c'est tendu. Je vois pas où je suis. Ah, j'avance à tâtons, là. Ah, et puis je peux pas régler la luminosité de mon écran, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi. Ah, faudrait que je trouve un moyen de pouvoir éclairer mon écran. Et là j'avance, mais je sais pas où je suis. Faut que je surveille ma vie et surtout que je mette pas les pieds dans le gaz, quoi. C'est vrai que niveau faim et tout, je peux supporter encore un peu le choc. Vas-y, bois ça. Ce sera déjà fait. Non, je vais pas jeter. Ah, je sais pas du tout où je vais. Je sais même pas si en plus j'avance ou si je suis bloqué dans un mur et que je fais du surplace. Je me vois vite fait au milieu de l'écran là. Ah là, il y a un chemin. Ok, je vais le longer. Ah, il y a le puits. Ok, on est au puits. C'est quoi? Ah, c'est la fatigue. Ok. Normalement, je peux courir à la maison. Je sais pas où je suis exactement là. Je crois que je suis coincé. Faudrait que j'arrive à repérer le feu sur mon écran. Merde, je crois que je suis mort. Ah ouais, je suis mort. Je suis mort dans le gaz. Non, je suis descendu trop bas. Je suis pas remonté assez haut. Ah, le con. Oh là là, je suis revenu vachement loin, les amis. Regardez ce que j'ai sur moi. J'ai mon bidon d'eau qui est encore plein. Alors, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais le foutre en cuisine. Et puis, bah, je vais retourner chercher la flotte qui est dégueulasse dans les éviers et tout. Parce que là, ça va être trop long. Je peux peut-être commencer à me faire bouillir de l'eau aussi. Je sais pas si je vais avoir de quoi manger ou. Ou quoi, ok, ouais, j'ai toujours ma petite bouteille d'eau. Là, j'ai de l'eau encore ici. À l'arrosoir. Il doit être planqué ici dans ce cas-là. Ouais. Je vais le remplir avec le peu d'eau qui me reste. Et puis de mon côté, je vais aller rechercher. Je vais aller rechercher l'eau qui reste en. Qui est restée en ville. Pour pouvoir finir d'arroser correctement mes petites plantations. Celle-là va bientôt arriver, donc je vais pouvoir manger. Bah écoutez, voilà, hein, je vais tout reprendre. Je vais retourner chercher, je suppose, mon pissenlit
et mes orties. Donc j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et puis on se retrouve prochainement dans de meilleures conditions, je l'espère. En tout cas, si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures sur Green Project Mobile et les autres jeux présentés sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Je remercie encore les derniers arrivés sur la chaîne et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau.